Pamfreluche va raconter un beau conte à sa manière. Pamfreluche va raconter un beau conte pour vous amuser. Aujourd'hui, je devais vous lire Cendrillon, mais je crois que ce serait mieux pas. Ce conte est en très mauvais état. C'est que la dernière fois que je l'ai lu, il est arrivé un petit accident. Oh, presque rien, une picadille, ce sont des choses qui arrivent. Mais ça a tout gâché. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Bon, pour commencer, tout allait très bien. J'ai lu le titre, Cendrillon, puis le début de l'histoire, il était une fois, etc., où on parle de la pauvre Cendrillon qui était toujours habillée en haillon. La voici, tenez, sur cette page. Oh. Eh oui, elle pleure à fendre l'âme. Elle pleure, comme vous le savez bien, parce qu'elle est très pauvre et qu'elle n'a pas de robe pour aller au bal du prince charmant. Mais tout à coup, on entend des clochettes. Et sa marraine apparaît. Sa marraine, c'est une fée. Elle donne un coup de baguette. Et voilà Cendrillon transformé en une véritable princesse. Ah. La marraine transforme une citrouille en un carrosse, des souris en beaux chevaux, et les voilà qui partent au galop. Après avoir reçu la recommandation de ne pas rentrer trop tard, car à minuit, le carrosse redeviendra une citrouille. Les beaux chevaux redeviendront des souris, et la belle robe de Cendrillon redeviendra des haillons. Ils arrivent au château. Oh, jusque-là, tout est très beau, c'est un peu plus tard que ça se gâte. Voilà Cendrillon qui danse. Elle danse avec le prince charmant. Bien ensemble. Et voici minuit qui commence à sonner. Bon, c'est ici que ça va se gâter. C'est parce qu'à regarder Cendrillon danser, j'étais sûre qu'elle allait oublier ce que sa marraine lui a dit. Que sa belle robe et tout allait disparaître à minuit. S'il fallait que ça arrive, alors je suis allée dans le livre pour lui faire penser. Là, tenez, regardez. Je cherche. Je cherche. Vous cherchez quoi? Je cherche si la princesse n'a pas laissé tomber quelque chose. Et comme par exemple un soulier, pour que je puisse la retrouver. Mais elle est partie sans laisser la moindre trace. Je ne la retrouverai donc jamais. Hélas.
Hélas. Eh oui. Oh, je m'excuse. Je sais, si je n'avais pas ramassé ce soulier, le prince charmant l'aurait essayé à toutes les jeunes filles de son royaume jusqu'à ce qu'il retrouve celle à qui il fait parfaitement, la petite Cendrillon. Mais c'est trop tard maintenant. Oh. Il aurait fallu que le prince charmant donne un autre bal. Alors Cendrillon y serait revenue danser, et cette fois, quand elle aurait perdu son soulier, je me serais bien gardée de m'en mêler. Alors, tout serait rentré dans l'ordre. Et le conte aurait fini en bonne et due forme avec le mariage et les enfants. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Eh oui, tout cela aurait été encore possible si le pire n'était pas arrivé. Si le prince charmant n'était pas disparu du livre. Eh oui, disparu, envolé. Il a laissé une petite note épinglé à son trône. Là, tenez, regardez. Parti à la recherche de la princesse. Oui, mais où est-il parti? Où peut-il bien être? J'ai regardé partout, Ah non, pas partout. Il y a un endroit où je n'ai pas regardé. Chez Cendrillon. Tout à coup, il l'a retrouvé. Oh! Le voilà. Le prince n'est pas là. Cendrillon? Oui? As-tu vu le prince charmant? Le prince charmant? Non, mais j'aimerais bien le revoir. Ah oui, je comprends, moi aussi. As-tu une petite idée où il peut être? Oh, dans son château, peut-être? Non, il n'est pas là. Et même, je dois te le dire, il n'est plus dans le livre. Il est disparu. Disparu? J'ai bien peur. Oh non! Il est sans doute ailleurs. Ailleurs? Mais oui, elle a raison. Très bien, je vais chercher ailleurs, Cendrillon. Ailleurs. Tiens, je vais regarder sur la map monde. Charmant. Il est à Londres. Oh, zut, je ne le vois plus. Oh, oui, le voici. Il était caché sous un parapluie. Il pleut. Oh, pardon. I beg your pardon. No, I beg your pardon, sir. Je viens du palais de Buckingham. J'y ai vu beaucoup de princesses. Margaret, Anne, Alice. Mais aucune d'elles ne ressemble à celle que je cherche. Hélas. Oh, I beg your pardon, sir. Pardon, monsieur. Attendez, prince charmant. J'ai à vous parler. Oh, c'est très important. Oh là là, il ne peut pas m'entendre. Bon, tant pis. Je vais me rendre à Londres. Mon chapeau. Ça, mon parapluie. Bon, ça y est. Allons-y. Pardon, excusez-moi. Oh, oh, monsieur. Avez-vous vu le prince charmant? Prince Charles? Oh, yes, he's at Buckingham Palace. Oh, non, non, non. Vous ne m'avez pas très bien compris. Il ne s'agit pas de prince Charles, mais de prince charmant. Prince Charming. Well. I beg your pardon. Prince Charles is very, very charming. Mais oui, je sais. Le prince Charles est très charmant aussi, mais... Are you speaking of Prince Charming? Ah oui. Oh, I just saw him. With my very own eyes. Vous venez de le voir? Yes, we had such a lovely chat. Vous venez de lui parler? He was so very sweet. Il vous a dit qu'il s'en allait en Suisse? Yes, oh, very sweet indeed. En Suisse? Yes, oh, so very sweet.
brave and charming. Bon, très bien. Je vous remercie. Au revoir, madame. En Suisse? Oh. Me voici dans les montagnes suisses. C'est ici que les princesses du monde entier viennent pour les sports d'hiver. Mais j'ai eu beau chercher sur toutes les pentes de ski, suivre toutes les pistes, faire le tour de toutes les auberges, regarder sous tous les bancs de neige, je n'ai pas trouvé celle que je cherche. Hélas. Mais peut-être la trouverai-je sur une plage. Comme il s'éloigne vite. Je le vois à peine. Oh. Mais ça ne fait rien. Je n'ai qu'à suivre ses pistes. Oh, pardon, madame. J'ai fait toute la Côte d'Azur à pied. J'ai cherché sur toutes les plages, en long et en large, derrière toutes les dunes de sable, sous tous les rayons de soleil. Mais je n'ai pas trouvé celle que je cherche. Hélas. Hélas. Aussi bien rentrer chez moi et essayer de l'oublier. Pardon, madame. Avez-vous vu passer le prince charmant? Le prince charmant? Oh, vous avez dû le voir passer, ah, ça j'en suis sûre. Ma chère, il passe tellement de monde sur la Côte d'Azur. Oui, mais il est habillé en prince charmant et il porte une couronne. Ma chère, à notre époque, on ne peut pas se fier à ce que les gens portent. Mais attends. Oui, j'ai vu un homme qui portait une petite couronne, en effet. Oui? Et je l'ai entendu dire qu'il allait rentrer chez lui. Ah bon? Très bien. Je vous remercie. Bon, voyons vite si le prince charmant est revenu dans son livre. Oh là là. Ah, le voici. Oh, tant mieux. Mais oh là là, comme il a l'air sérieux. Prince charmant! Prince charmant! Quoi? Puis-je vous déranger un tout petit moment? Oui. Que puis-je faire pour vous? Pour moi? Oh, rien du tout. Je voulais plutôt faire quelque chose pour vous. J'étais en train de lire ce livre. Ah non, merci, je n'ai pas envie de lire. Je suis très occupé. J'essaie d'oublier ma princesse. Que je n'arrive pas du tout à oublier. Hélas. Mais, au fait, la lecture m'aidera peut-être à l'oublier. Mademoiselle, quel beau conte avez-vous à me suggérer? Il n'y a pas de conte assez beau dans le monde entier pour vous faire oublier votre princesse. Mais si vous me permettez, je voudrais vous suggérer un bon moyen pour la retrouver. Un bon moyen? Pour retrouver ma princesse? Mais lequel? Dites vite, parlez, parlez. Vous n'avez qu'à donner un autre bal, Altesse. Elle viendra chez vous d'elle-même. D'elle-même? Vous croyez? Mais oui. Elle adore danser. C'est vrai. Un autre bal. Un autre bal. Je le veux ici, tout de suite. Ah, mademoiselle, vous êtes géniale. Oh, voilà les musiciens qui arrivent. Et on apporte à boire et à manger.
Et voici déjà les invités. Bonjour, comte. Bonjour, duchesse. Mais où donc est la princesse? Voyons, prince. Donnez-lui le temps de s'habiller. Il a une très belle robe à mettre. Et de très jolis souliers. Mais tout de même, je vais aller lui dire de se dépêcher. Ça se voit. Et ça s'entend surtout. Mais pourquoi pleures-tu? Je veux aller au bal danser, mais je n'ai pas de robe ni de souliers. Je veux aller au bal danser, mais je n'ai pas de robe ni de souliers. Je veux aller au bal danser, mais je n'ai pas de robe ni de souliers. Bon, bon, j'ai compris, je ne suis pas sourde. T'as pas besoin de crier comme ça. Je ne crie pas pour toi. Je crie pour ma marraine. Elle ne m'entend pas. Je veux aller au bal danser, mais je n'ai pas de robe ni de souliers. Je veux aller au bal danser, mais je n'ai pas de robe ni de souliers. Mais ce sont des clochettes qu'on entend. Je veux aller au bal danser, mais je n'ai pas de robe ni de souliers. Cendrillon, écoute. Je veux aller au bal danser, mais je n'ai pas de robe ni de souliers. Je veux aller au bal danser, mais je n'ai pas de robe ni de souliers. Cendrillon, je veux aller au bal danser. Arrête. Hein? Écoute. N'entends-tu pas les clochettes? Oh oui. C'est ma marraine qui s'en vient. Elle va apparaître. Oh, qu'est-ce que c'est? Une lettre? Oh. Quoi? Une mauvaise nouvelle? Oui. C'est de ma marraine. Oh, est-elle malade? Non. Elle est partie en vacances. Partie? À un moment pareil. Mais c'est épouvantable. Et tu ne pleures pas, Cendrillon? Ben, c'est pas la peine de pleurer. Ma marraine ne peut pas m'entendre. Ouais, elle est partie si loin que ça? Oui. Quand elle part en vacances, elle va très loin dans le sud, sur une île que les fées fréquentent. Elle s'appelle l'île des papillons. L'île des papillons? Oui. Parce qu'en vacances, toutes les fées se changent en papillons. En papillons? Sans blague! Et quand est-ce qu'elle va revenir? Oh, dans une semaine ou deux. Oh, mais c'est affreux! Il faut qu'elle revienne tout de suite, avant que le bal soit fini. Je vais aller la chercher! Il faut que je dise un mot au prince pour l'encourager. Oh, il marche de long en large et comme il s'impatiente. Je ferais mieux de rien lui dire et de me rendre à l'île. J'espère que je la trouverai. Pas facile. N'oubliez pas qu'il fait nuit. Tiens, je pense que c'est celle-ci. Il y a des papillons qui voltigent. Mesdames les fées, je veux dire papillons. Est-ce que l'une de vous est la marraine de Cendrillon? Revenez, s'il vous plaît. Bonjour. Êtes-vous la marraine de Cendrillon? Non, ma fille, ce n'est pas moi. Je suis la vieille fée de la Belle au bois dormant. Je suis la marraine de Cendrillon. Qui me demande?
C'est moi, la poupée Fanfreluche. Je viens vous voir pour une affaire d'une extrême urgence. Il n'y a pas d'extrême urgence qui tienne. Je suis en vacances. Ça concerne votre filleule, Cendrillon. Ma filleule, Cendrillon? Oui. Ah bon? Comment est-elle? J'ai hâte d'avoir de ses nouvelles. Tu sais, c'est moi qui lui avais fait perdre son soulier au bal du prince charmant pour qu'il puisse la retrouver. Et dis-moi, est-ce que le jour de leur mariage est déjà fixé? Non. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai ramassé le soulier de Cendrillon. Quoi? Oui. Mais j'ai fait ça pour bien faire. Oh, tu aurais dû te mêler de tes affaires. Je sais. Oh, mais tout n'est pas encore perdu, Madame la Fée. Le prince donne un autre bal ce soir. Ce soir? Oui. Mais alors, il n'y a pas de temps à perdre. Non, madame. Bon, t'en fais pas, je vais tout arranger. Et je ne partirai en vacances qu'après le mariage. Encore quelques minutes et il sera minuit. Mes invités sont tous partis. Les serviteurs font le ménage. Les musiciens rangent leurs instruments. C'est inutile de l'attendre davantage. Non, Altesse, attendez! Oh, ne me dites pas que la princesse est encore à s'habiller. Non, ça y est, elle est toute prête. Elle vient de mettre sa belle robe et ses jolis souliers et elle s'en vient. Entendez-vous les trompettes? Oui, en effet, je les entends. C'est elle. Enfin, je la retrouve. Grâce à vous, mademoiselle. Voici Cendrillon dans sa belle robe et ses jolis souliers. Le prince charmant l'invite à danser. Oh, comme ils dansent bien ensemble. Je ne bougerai pas d'ici. Pour le reste, je leur fais confiance. Ainsi qu'à la marraine de Cendrillon.